Bonsoir à tous, il est 19h donc on commence. Je vais commencer par les pouvoirs. Donc Philippe Pelletier qui a donné pouvoir à Éric Orvault. Catherine Poupée qui a donné pouvoir à Martine Pillot. J'ai Catherine Lucas qui est malade, donc là c'était pas. Enfin, en général on prévoit pas d'être malade, non, c'est rare. Donc du coup qui n'est pas présente ce soir. Et puis voilà, on va voir ceux qui arrivent là, ceux qui sont pas là, qui peut-être qu'ils viendront en retard. Enfin, s'ils viendront en retard, peut-être qu'ils viendront tout court. Voilà, je vais y arriver. Eh bien voilà, Patricia, bienvenue. Je vais vous faire passer, parce que j'ai peur d'oublier. Vous savez, il y a des élections présidentielles ce week-end. Ouais. Et donc au mois de... Le 12 et 19 juin, vous avez les élections législatives. Donc je vais vous faire passer le tableau pour les permanences, pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà. Donc je vous laisse le soin de vous inscrire. Oui, mais même que ce soit le 12 ou le 19, mais après on verra. Hein. On se prépare. OK. Désignation d'un secrétaire de séance. C'est au tour de Jeanne Truteau. Est-ce que Jeanne, tu es d'accord? Je te remercie. L'approbation du compte-rendu de la séance du 1er mars 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? Vas-y Henri. Oui, après une énième relecture, puisque j'en étais le secrétaire, et puis une discussion avec Patricia également, c'est au sujet de la tarification de la piscine municipale. Mmh. Le compte-rendu indique que le maire propose aux membres du conseil municipal le maintien des tarifs de l'année précédente, alors que la note indiquait le maire propose aux membres du conseil municipal la grille tarifaire suivante. Oui, donc il faut corriger, ouais. Voilà. C'est une erreur, ça. Voilà, parce qu'ils ont quand même substantiellement augmenté, et la gratuité... Pour un service de qualité, mon cher Henri. Nous verrons. Non mais je voilà c'est non mais on va corriger ça, on va corriger ça. Et t'as bien joué ton rôle de secrétaire, c'est très bien Henri. Mais oui, même quand ce sont les autres. Oui non mais je sais, mais t'as l'œil donc c'est très bien. C'est l'œil. Voilà donc, merci. On rectifiera. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Alors, par rapport à l'ordre du jour, il faudrait retirer le point de avenant travaux d'aménagement d'un espace culturel. On le repousse au prochain conseil, en fait. Donc, c'est juste repoussé en soi, ça ne va pas disparaître. Et je vous demande, est-ce qu'il faut voter pour chaque point ou pas? Ouais, pour chaque point. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on supprime ce point? Ben non, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a rien, donc... Il faut voter, quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on supprime ce point, le point numéro 2? Bah, vous pouvez, si ça vous fait plaisir, moi ça ne me gêne pas, mais je n'aurai rien à présenter. Oui, je sais. C'est-à-dire qu'en fait, on préfère, je vais être plus précis, par rapport aux travaux d'aménagement donc, d'un espace culturel concernant les avenants, on attend le mois prochain parce qu'il y a la réception de chantier. Et donc l'idée, c'est de faire le bilan à la fin, finalement. Et à un mois près, c'est aussi bien. C'est ça la raison. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Il n'y a pas d'opposition, d'abstention. Je vous remercie. Et il y a un point supplémentaire que je voudrais qu'on rajoute en 8 bis. Fixation du prix de vente du livre sur le monument Clémenceau, le livre qui est la réédition du livre d'André Bugeaud sur le monument Clémenceau. Alors je vous explique pourquoi. C'est parce que donc le 16, mi-avril, on va faire une présentation avec Laurent Gauthier, donc président d'Histoire et Patrimoine, et puis Monsieur Claude Bugeaud, qui est le frère en fait d'André Bugeaud qui a écrit le livre. Pour dire tout simplement que le livre maintenant c'est bon, il a été édité et qu'il est en vente. Et donc, mais pour le mettre en vente, il faut qu'on crée une régie en fait en interne. Donc c'est pour ça. Et c'est d'autant plus important que derrière il sera vendu lors de l'Assemblée Générale, ça sera le premier moment d'ailleurs,
l'Assemblée générale d'Histoire et patrimoine le 23 avril. Donc ce serait bien en fait qu'ils puissent le vendre, pas simplement le montrer. Et puis au rendez-vous de printemps, il y aura aussi la possibilité de l'acheter pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc je vous demande l'autorisation de fixer ce point-là. Parce qu'on peut le mettre le mois prochain, mais ça serait idiot, quoi. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non, ça va. Alors on commence avec le premier point, affaires financières avenant travaux de mise aux normes de la piscine municipale, lot numéro 5. Et je laisse la parole à Bernard Borgé. Pardon? Hein? Merci. Donc nous allons vous soumettre au vote un avenant de travaux de réaménagement de la piscine municipale concernant l'entreprise LJKL Technique Piscine d'un montant de 8 686,39 € hors taxes, soit 10 423,67 € TTC. Ces travaux correspondent à des mises aux normes électriques qui n'étaient pas prévues dans le marché. Et les raccordements au tout à l'égout, la mise aux normes des raccordements au tout à l'égout du bâtiment existant. Je vous parlerai ensuite de l'avancement des travaux. Quoi, tu peux le faire maintenant? Oui, si vous voulez. Non, fais-le maintenant. Bon, je le fais maintenant. En séquence, donc je vais vous parler de l'avancement des travaux des deux chantiers qui sont en cours. Donc la piscine municipale, je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais donc la réception de chantier a eu lieu et il y avait beaucoup de réserves qui sont levées une par une. Il nous en reste une ou deux à peu près. Les travaux de palissade qui étaient hors marché ont commencé hier matin. Les travaux de ravalement du bâtiment existant ont commencé aussi, mais bon, après ça va dépendre des conditions climatiques. Conditions météo, et ce sont les services techniques qui font ces travaux. La date d'ouverture est toujours fixée au 14 mai pour les écoles. Donc on est dans les temps, voilà, il faut être sur ses gardes. Notamment avec une entreprise de maçonnerie qui a pas mal de travaux à refaire et qui habite très très loin. Donc on met sous pression un petit peu l'architecte pour que ces travaux-là soient faits. Il faut considérer que il nous faut entre 2 et 3 semaines pour chauffer l'eau. Donc il faut penser à ce délai. Ils en sont conscients. Donc il ne leur reste plus que 2 semaines et demie pour faire ces travaux-là. Voilà pour la piscine. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Par rapport à l'avenant, s'il y a des remarques? Je vais parler de la médiathèque aussi, mais je vais parler après. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Si tu veux faire un point sur la bibliothèque, oui. Donc en ce qui concerne la médiathèque, là aussi le chantier suit son cours. Nous devrions avoir une réception de chantier entre le 1er et le 15 mai. Donc voilà, il ne reste plus qu'un mois et demi de travaux. Bon, ça avance. Hein. Henri est témoin de ça puisqu'il assiste à toutes les réunions de chantier. Il n'y a pas de difficulté principale, sinon que, ben, on rentre dans les détails, donc ça demande un petit peu plus de temps et un petit peu plus de présence. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon, je suis trompée de bouton. La bibliothèque, du coup, elle sera ouverte au public à quel... On ne sait pas trop. Ouverte au public, c'est-à-dire? Quand est-ce qu'elle sera accessible à Les horaires? Le mois, déjà. C'est au mois de mai? Ah oui, non. En fait, après, il y a le mobilier. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être à la rentrée, quoi. D'accord. À la rentrée. Après, comment dire? Parfois, il vaut mieux prendre un mois de plus et puis avoir quelque chose qui soit bien plutôt que de vouloir absolument... Normalement, c'est début septembre. Voilà. S'il y a un petit peu de retard sur mobilier, ça peut arriver, hein, pour plein de raisons. Ça sera au mois d'octobre. Mais en tout cas, ça va être à la rentrée. Okay. Prochaine. C'est bien, on a l'impression que tu vas aux courses. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai oublié de préciser que malgré cet avenant à la piscine municipale, nous en sommes à moins 2 406,08 € sur un marché de 578 247,52 €. Très bien. Ensuite, le point numéro 3, du coup, étant donné que le point numéro 2 a été retiré, donc
marché à procédure adaptée concernant la rue Flandre-Dunkerque. Il s'agit tout simplement de l'attribution du marché. C'est Jeanne normalement qui présente. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Vas-y. Bon. Je rappelle au conseil municipal qu'un marché à procédure adaptée a été lancé pour l'aménagement de la rue Flandre-Dunkerque. Ce marché comprend une tranche ferme comprenant une grande partie de la rue Flandre-Dunkerque, une phase optionnelle, une comprenant le parking de la salle de sport et le haut de la rue Flandre-Dunkerque, et une phase optionnelle 2 concernant la réalisation d'une jonction entre le parking haut de la salle polyvalente et la voie longeant l'accueil de loisirs. La date butoir de dépôt des offres était fixée au 11 mars à 12 h. La commission d'appel d'offres s'est réunie à 14 h pour l'ouverture des plis. Et la restitution du rapport d'analyse des offres a été présentée le 28 mars dernier au comité d'appel d'offres. Conformément aux dispositions de délégation du conseil au maire fixées par le conseil municipal le 15 juillet 2020, il revient au conseil d'approuver ce marché dont le montant est supérieur à 209 000 euros hors taxes. Alors deux candidats ont répondu, Eiffage et Baudin SAS. Alors le montant de l'offre après vérification hors taxe est de 421 759 euros avec une note de 10. Et la Baudin, 448 759,20 euros avec une note de 8,84. Donc l'entreprise Eiffage a été retenue. Voilà. Ben, je laisse la parole à Philippe pour la délibération. C'est ça. Concernant la phase optionnelle, la jonction là, du parking haut de la salle polyvalente avec la voie longeant l'accueil de loisirs, là, on avance on avance bien là, en ce moment avec la communauté de communes. Donc maintenant, je pense qu'on peut dire que ça va être bon, que ça va se faire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez du projet, l'idée, plutôt que de faire l'espèce de haricot, là, c'était de passer par le parking haut de la salle polyvalente, de longer le centre de loisirs pour des questions de sécurité. Comme ça, les cas déposeront les enfants devant la future école, à l'anglais. Donc ça avance bien, et je pense que ça va même pouvoir se faire finalement assez rapidement, comme c'était prévu. Donc c'est une affaire qui roule. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Comme la tranche optionnelle, elle concerne le territoire de la communauté de communes, donc tout est en phase avec la communauté de communes pour les travaux, et tout devrait donc se passer. C'est ça. Hein, c'est ça. Là, ça doit se finaliser demain, pour être très clair. Mais il n'y a pas de raison. En plus, enfin, c'est vraiment l'intérêt. C'est-à-dire que ce centre de loisirs, il est mutualisé depuis qu'il y a le périscolaire. On va encore renforcer encore plus cette mutualisation avec la création de la nouvelle école. Et en plus, c'est pour la sécurité de nos jeunes. Donc il n'y a pas de. C'est quelque chose qui va être bien, vraiment. Hein. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, Eric. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de place de parking pour la salle des sports derrière, puisqu'il y aura en même temps la création de ces places de bus sur la route de l'Anglais. Et donc ça laisse plus de place pour les voitures. C'est intéressant à ce sujet-là. Ces places de bus, c'est ce qui permet le transfert des élèves pour qu'il y ait moins de bus après place de l'église. Donc très intéressant à ce sujet-là. Et puis peut-être aussi que, étant donné que les bus n'auront plus à faire de demi-tour là-haut, eh bien, peut-être là du coup la réflexion se fera, et peut-être des travaux moins coûteux aussi à ce niveau-là. Notamment toute l'importance finalement du travail partenarial entre une commune et puis les autres collectivités, que ce soit comité de commune, département ou région. Parce qu'on arrive à une époque où il faut l'argent public, il n'y en a pas non plus. C'est pas infini. Et il faut apprendre à mutualiser les locaux. Peut-être des réflexions qu'il n'y avait pas forcément il y a 20 ou 30 ans, mais qui se posent aujourd'hui. Et puis finalement, c'est très bien parce que ça te permet d'avoir de la cohérence au niveau de cet espace. Je regardais mon portable parce que je viens d'avoir un message de Mathieu Augereau qui s'excusait. Il a eu un empêchement là pour pouvoir venir au conseil municipal. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord pour retenir Eiffage? Il n'y a pas d'opposition, d'abstention. Je vous remercie. Ensuite, le point numéro suivant, c'est le point numéro 4, c'est ça?
création d'autorisation de programme et crédit de paiement pour l'aménagement de la rue Flanque Dunkerque. Pardon. Si vous savez, c'est les APCP, là. C'est-à-dire qu'on ouvre des crédits et derrière, c'est pas bloqué au niveau d'une année. Ça dure dans le temps. Et vous ouvrez vos crédits de paiement au fur et à mesure de vos factures. Donc ça permet d'avoir de la cohérence. Et puis finalement, on l'avait déjà fait pour la bibliothèque, ça, je me souviens. Et ça permet d'avoir une... Enfin, en tout cas, ça permet d'avoir de la visibilité sur la gestion financière de la commune. Voilà. Donc dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue Flandre Dunkerque, donc opération 35, je propose au conseil municipal la création d'une autorisation de programme intitulée 2022 aménagement de la rue Flandre Dunkerque pour un montant s'élevant à 500 111 € TTC sur 2 ans. Depuis le 1er janvier 2006, toutes les collectivités, quelle que soit leur population, peuvent recourir aux autorisations d'engagement, crédit de paiement, ce qu'on appelle les APCP, ou AECP. Les autorisations de programme se rapportent à des projets d'immobilisation à caractère pluriannuel, ce que je vous expliquais. Elles sont valables sans limitation de durée. Elles peuvent être révisées et sont annulées lorsque le projet est terminé. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des crédits pouvant être engagés au titre d'un exercice. Considérant que des travaux d'effacement de réseau chemin de Languet doivent être réalisés avant l'aménagement du parking de la salle de sport, il est proposé la création d'une APCP de la manière qui suit. Donc, en gros, une autorisation de programme à 526 277 €. Quand on regarde dans le détail, travaux immobiliers urbains, 500, c'est-à-dire les travaux de la rue Flandre Dunkerque, hein, au final, 506 111 € et la maîtrise d'œuvre, 20 166 €. C'est-à-dire que l'avantage que ça a, parce qu'il y a deux possibilités, soit on fait comme ça, ou soit on met juste l'enveloppe qu'il nous faut pour cette année. Sauf que c'est pas bien, enfin moi j'aime pas, parce que du coup, c'est pas clair en fait sur la totalité des travaux. Et donc je préfère qu'on fonctionne comme ça, en APCP. Voilà, bref. Est-ce qu'il y a des oppositions à cela ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions ? Non. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non. Donc, tout le monde est favorable. Je vous remercie. Après, on passe au point 5, subvention exceptionnelle, grand défi. C'est bon signe. Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il n'est plus là. Et donc, ça veut dire que si on peut... On passe cette délibération, ça veut dire que malgré tout, même si le Covid est toujours là, on va vers de beaux jours. Donc c'est important de se le rappeler quand même. Pour le moment, mais bon, on va être positif quand même. Vu le rapport donc de la commission locale d'évaluation des charges transférées, ce qu'on appelle la CLECT, c'est en gros une sorte de clé de répartition, enfin c'est pas une sorte, c'est une clé de répartition entre la communauté de communes et les communes. Donc numéro 2 de 2018 portant la restitution de compétences aux communes membres de Sud-Vendée Littoral. C'est-à-dire qu'en fait, le grand défi, ça concernait l'ancien pays de Saint-Hermine. Et donc c'est pour ça qu'on a mis Sud-Vendée Littoral a mis en place ce dispositif. Considérant que la restitution d'attribution de certaines subventions d'intérêt local prévues dans la révision d'attribution de compensation de 2018 prévoyait un montant de 1 000 € pour l'organisation du grand défi, donc périmètre de l'ancien pays de Saint-Hermine, considérant la demande de la commune de Saint-Martin-Lard en Saint-Hermine, au nom du comité des fêtes de cette commune, organisateur du Grand Défi, je vous propose l'attribution de 1 000 € de subvention au comité des fêtes de Saint-Martin-Lard en Saint-Hermine. C'est-à-dire qu'en gros, chaque année, la communauté de communes nous verse 1 000 € à la commune de Saint-Hermine pour le Grand Défi, et après on le reverse vers la commune qui va organiser le Grand Défi. Et en l'occurrence, cette année, c'est Saint-Martin-Lard. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Tu peux nous dire quand c'est ce mois de juillet ? Je vais te dire ça. C'est ça, le 17. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Ah, pardon ? Bah, il fait tout le temps beau, regarde au centenaire. C'était parfait. Voilà.
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 6. En fantaisie. Alors, les enfantaisies, je les ai rencontrés d'abord, dans un premier temps, tout seul. Et après, je les ai rencontrés une deuxième fois avec Céline Ringard. Donc, on a rencontré un membre de l'association de la claque de Saint-Hermine qui souhaite organiser les enfantaisies en 2022 sur la commune. Tu compléteras, Céline, si besoin. Des modifications importantes sont envisagées, notamment par l'allongement de la période de l'événement et donc l'augmentation du nombre d'animations de spectacles. C'est-à-dire que jusque-là, sur Saint-Hermine, c'est 2 jours. Là, on va passer à 7 jours. Alors, je vais vous donner un peu le programme parce que c'est important. Parce que la première fois, en fait, que j'ai rencontré cette personne, je voulais que ça soit tourné vers les jeunes et je voulais qu'il y ait du intergénérationnel aussi. Et puis, mine de rien, c'est quand même, ça a commencé à Saint-Hermine, les enfantaisies, et ouais. C'est quelque chose dont on peut être fier sur le territoire. Donc, je pense que c'est important aussi de valoriser un peu ce qu'ils font. Donc, il y a un ciné-concert avec l'école de musique, enfin, qui est prévu, mais avec l'école de musique et Mélomania. Donc, ça sera le 14 octobre. Il y a, par exemple, le dimanche 16 octobre, un spectacle au foyer logement La Smagne. Je ne vais pas tout dire, hein, mais le jeudi 20 octobre ou vendredi 21 octobre, ça sera à destination des maternelles. Il va y avoir des spectacles à destination des assistantes maternelles. On gardera les spectacles à destination des scolaires. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit plus costaud finalement, hein, sur la semaine. Ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de valoriser déjà... les enfantaisies qui font des choses bien depuis plusieurs années. Et puis deuxièmement, ça donnera aussi, ça montrera ce qu'on peut faire aussi sur Saint-Hermine. Donc c'est pas le genre de spectacle qui se fait partout ailleurs. Par contre, forcément, passer de 2 à 7 jours, ça veut dire que la subvention qu'on donnait habituellement, il faut l'augmenter. Et donc là, c'est clairement un choix, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc la subvention communale sollicitée de 5000 euros pour la semaine et la mise à disposition de la salle polyvalente. Et donc je sollicite l'avis des différents conseillers municipaux par rapport à ce point. Est-ce que tu veux rajouter des choses, Céline ? Oui, je voulais juste rajouter qu'il y avait aussi quelque chose le samedi. Le samedi, il y avait un repas. Le repas était préparé par des enfants, ah oui. Qui servi, encadré par des adultes. Et le soir, ensuite, les enfants servent le repas et il y a un concert ensuite derrière. Donc c'est vraiment du lundi, du vendredi au vendredi suivant. C'est vraiment cette idée de que les différentes... Enfin, que la population se mélange, voilà, dans un but culturel. Oui. C'était quoi le montant qu'on donnait avant pour les 2 jours, en fait, C'était 2000 euros. Oui. Mais là, je le dis sincèrement, hein, c'est vraiment un choix. Hein. 2007. Comment 2007, pardon. Donc 2007, et là on passe à 5000 pour une semaine, on passe de 2 à 7 jours. Mais bon, après c'est pareil, hein. Enfin, la culture c'est ça, c'est-à-dire que c'est des choix, soit on a envie ou pas de soutenir, clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, oui en fantaisie, il y a déjà, comment dire, un passé d'animation très créatif, et ils sont assez, comment dire, pertinents dans les choix de spectacles. Et donc, moi, je félicite cette association qui existe depuis combien ? Plus de 30 ans maintenant, et qui a toujours été innovante et dans la manière de préparer ses spectacles. Et là, c'est encore plus riche puisque, comme tu l'as dit, c'est transgénérationnel. Donc, c'est très valorisant pour les enfants et puis pour les adultes, quoi. Donc, moi, je soutiens complètement cette demande de... Voilà. J'imagine qu'il y a quand même eu un budget qui a été présenté pour... Oui, porter... je l'ai. Hein. Hein? Oui, j'ai un budget tout détaillé qu'ils m'ont, voilà. M'ont donné. À chaque fois, ils le font de toute façon. Non. Là-dessus, ils sont très carrés. Mais comme tu l'as dit justement, c'est une association sérieuse depuis 30 ans et ils ne partent pas dans l'inconnu. Hein. Ils ont une boussole et puis nous aussi, donc du coup, ça tombe très bien.
Est-ce qu'il serait possible dans la note d'avoir, quand il y a des grosses subventions comme ça, justement le budget des demandes de subventions pour qu'on puisse voir Moi, ça ne me gêne pas, mais si vous voulez, oui. Oui, c'est possible. On va le mettre. Okay. Merci. Non, il n'y a vraiment rien du tout de caché. Non, mais c'est juste... Voilà. Oui. En plus, moi, ça m'intéresse. Oui. Pardon. Ça veut dire qu'en Fantaisie, ils sont aussi sur Chantonnet, ils font des animations là-bas. C'est pour remplacer Chantonnet ou c'est en plus? Non. En fait, clairement, je vous le dis, hein, c'est... J'étais un peu frustré que, en tant que maire de Saint-Hermine, que pour Saint-Hermine, il n'y ait que deux jours. Et clairement, je leur ai demandé de faire quelque chose de plus étoffé sur la commune. Parce que je trouve que tout le monde s'y retrouve, quoi. Donc c'est pour ça. Mais en fait, ça ne change rien pour Chantonnet. Sauf que je leur ai demandé. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à la fois, ils m'ont fait quelque chose de. Enfin, proposé quelque chose de plus dense. Et en plus, ils ont répondu aux différentes attentes. S'adresser à toute la population et s'adresser aussi aux jeunes. Donc c'est pour ça. C'est simplement que je leur ai demandé. Mais c'est une très bonne initiative, surtout qu'on sort de la crise du Covid, d'avoir un peu d'animation et que ça traverse toutes les générations, c'est plutôt très bien même. Bon. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Point 7, convention CIDEF, travaux 9 d'éclairage. Bernard. Oui, donc nous allons vous soumettre deux conventions avec le CIDEV concernant deux petits travaux. Un chemin d'aiguillonnière avec une extension de réseau d'éclairage public et la pose d'un réverbère supplémentaire, dû au fait que dans ce chemin, maintenant, il y a beaucoup de constructions de fêtes, pour un montant de 6 654 euros avec une participation de la commune de 70%, ce qui nous revient à 4 658 euros. Et une deuxième convention concernant un point lumineux qui va être posé, un point lumineux solaire, qui va être imposé impasse des noisetiers. Dans cette impasse, il y a une zone d'ombre. Pour un montant de 5 921 euros, avec une participation de la commune de 70%, ce qui nous amène à un montant de 4 145 euros. C'est où le chemin des Guyonnières? Parce que le marronnier, je vois, mais les Guyonnières, je ne sais pas. C'est, pour te citer des noms, c'est Carl Auger, Jean Fernandez, okay. Catherine Ménard, tout ça. C'est cette route-là. Et c'est au bout de la route. Tu confirmes, Catherine, que tu habites là? C'est en plus, si tu veux, c'est un lampadaire qui devait se mettre depuis plusieurs années, mais comme la route, les travaux n'étaient pas finis avec les maisons en construction. Donc voilà, maintenant que toute la route est finie, voilà, c'est un lampadaire supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, donc moi j'ai une autre question. Il y a le deuxième au marronnier, là, c'est un éclairage solaire? Oui. Marronnier. Pareil. Ouais, quelque chose près. Oui, c'est un choix qui a été fait de, pourquoi pas commencer déjà, ouais, c'est mettre ça. Du solaire. Et en plus, comme son nom l'indique, il n'y a pas besoin de câbles, il n'y a pas besoin de trancher, il n'y a pas besoin de... Et pourquoi il a décidé là un solaire et pas à côté de chez Catherine? Parce que chez Catherine, le réseau est déjà enfoui, donc ça aurait été dommage de ne pas le profiter, de pas en profiter, quoi. C'est pour ça. Et il faut savoir que l'entretien de ces panneaux solaires est fait lors des 4 visites annuelles de INEO. Oui, mais c'est dommage parce que là, on voit que celui qui n'est pas solaire est plus cher que le solaire. Et voilà, c'est un peu pas, c'est pas très logique. Enfin, ça me paraît pas logique en tout cas. Alors, la logique veut que, en fait, les réseaux sont déjà passés. C'est pour ça que ça aurait été dommage de ne pas profiter de l'occasion. C'est tout. Hein. En fait, si on avait pu mettre un pas solaire là où on met un solaire, on l'aurait fait. Mais c'est qu'il n'y avait pas les câbles. Voilà. Ben oui, il n'y avait pas les fils, c'est tout. Et après, en même temps, c'est pas gênant de mettre un solaire. En même temps, ça permettra de voir ce que ça donne. Je trouve que c'est mieux de mettre un solaire, en fait. Oui, mais c'est l'inverse compris. Que je comprends pas. Même s'il y a des câbles au sol d'électricité. Mmh. Voilà, enfin. Mmh. Puisqu'on est dans la tendance un peu écolo, et puis que. Après, par rapport au solaire, j'aimerais bien voir quand même. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un essai avant. C'est un test. Parce qu'en particulier sur l'entretien.
Parce que quand c'est au début, ça marche toujours bien. Puis parfois, on a des surprises. Ouais, donc c'est pour ça, en fait, que je veux, que je veux d'abord qu'on voit. Là, c'est l'occasion. Il n'y a, pas les réseaux. Donc là, on met un solaire. Et puis, ça va permettre de voir finalement ce que ça donne. Parce que si ça se trouve, eh ben, par la suite, on mettra que des solaires. Mais avant, j'aime bien quand même qu'on voit bien si ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on sait le coût d'un, d'un entretien pour un solaire ? C'est prévu, en fait. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des 4 visites d'entretien d'INEO. Mais qui sont comprises dans le... Oui, c'est compris, d'accord. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Oui. Mais voilà, je préfère quand même qu'on regarde s'il n'y en a pas, vraiment, sur la durée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et après, on passe au point supplémentaire, le 8 bis, fixation du prix de vente du livre sur le monument Clémenceau. Ah mince ! Le point 8, pardon, Jean-Michel. Autorisation de poursuite par le receveur en cas d'impayé. Alors, compte tenu du changement de trésorerie depuis le 1er janvier dernier, vous savez qu'on est passé à la trésorerie de Luçon, on n'est plus à la trésorerie de Saint-Hermine, il vous est présenté, conformément à l'article R1617-24 du CGCT et du décret du 3 février 2009, la demande du comptable public en matière de recouvrement des recettes de la collectivité. Donc le comptable public ne peut engager de mesures d'exécution forcée à l'encontre du débiteur d'une collectivité qu'avec l'autorisation préalable de l'ordonnateur qui a émis le titre de recette. Donc le décret du 3 février 2009 étant la faculté pour l'ordonnateur de donner à son comptable une autorisation temporaire ou permanente à tous les actes de poursuite. L'article R1617-24 du CGCT stipule que l'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recette selon les modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable public. Donc, il est proposé d'acter le principe de dispense d'engagement de poursuite par voie de saisie-vente pour les sommes inférieures à 500 euros. Ce seuil étant le seuil en dessous duquel la direction départementale des finances publiques de la Vendée refuse le recours aux huissiers des finances publiques aux fins de saisie-vente. C'est une question de coût, évidemment. Il est rappelé que le seuil d'émission des titres de recette 15 euros est à respecter et qu'il convient d'éviter les titres de faible montant inférieur à 30 euros pour lesquels les poursuites ne peuvent être engagées. En effet, le recours aux saisies administratives à tiers détenteurs employeurs n'est possible que pour les créances supérieures à 30 euros et celles bancaires pour les créances supérieures à 130 euros. Donc il vous est proposé de valider les termes de la convention tels que stipulés dans ce qu'on vient d'exposer et de prendre acte du montant plancher de 30 euros pour le recours aux saisies administratives à tiers détenteurs employeurs. Sans cette délibération, on ne peut pas faire de recours sur les impayés. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc adopté à l'unanimité le point 8 bis. Alors, comme vous le savez, donc, dans le cadre des délégations au maire, il a été procédé à la modification donc, régie de recettes location de salle municipale. L'intitulé est location de salle est divers. Donc en accord avec la trésorerie et compte tenu de la nécessité de ne pas multiplier le nombre de régies, cette nouvelle dénomination permettra d'intégrer notamment la vente des livres commandés par la commune. Donc on va intégrer en fait la vente du livre donc dont le titre exact c'est le monument Clémenceau de Saint-Hermine, son histoire. Donc il convient de fixer le prix de vente du livre. Donc l'idée c'est pas de faire du bénéfice dessus, c'est pas non plus de... Enfin en gros, on a regardé le coût de l'impression et on arrive à 13 euros. Donc c'est pour ça que le livre il est vendu à 13 euros. Je tiens vraiment à remercier une personne en particulier là, qui a vraiment beaucoup travaillé sur la mise en page. C'est Laurent Gauthier, président d'Histoire et Patrimoine, hein, qui a passé beaucoup de temps
parce que comme ça, ça paraît pas, mais la mise en page d'un livre, on est passé d'un format A4 à un format, je sais plus exactement les tailles, mais format livre, et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et finalement, c'est quelque chose qui est très bien, parce que ça fait partie, alors je le dis d'autant plus que je suis attaché à l'histoire, mais ça va bien au-delà de ça, ça fait partie de l'identité de Saint-Hermine. Et là, maintenant, on va avoir un livre sur Clémenceau à Saint-Hermine. Et ça va pas être un livre sur Clémenceau sur un autre endroit. Et donc ça fait partie aussi de l'identité de cette commune. C'est important aussi que les gens puissent se l'approprier. Et pour se l'approprier, le livre peut y contribuer. Voilà. Donc, est-ce que vous approuvez la fixation du prix de vente du livre, le monument Clémenceau de Saint-Hermine, son histoire, à 13 euros par livre, et prendre acte de l'intégration des recettes au sein de la régie location des salles et divers? C'est-à-dire qu'on intègre en fait la vente du livre à l'intérieur de la fameuse régie qui a été créée. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Ensuite, on passe aux affaires foncières. Abrogation de la délibération de cession d'un terrain non viabilisé aux Pousinières. Donc je rappelle donc aux membres du conseil municipal la délibération du 7 septembre 2021 concernant la vente d'une parcelle non viabilisée dans le secteur des Pousinières à M. Erwan Brenet et Mme Maureen Pubert. Ces personnes ayant décidé de faire évoluer différemment leur projet, il est proposé d'abroger la délibération numéro donc 2021-09-04. Voilà, on est obligé de l'adopter, mais est-ce qu'il y a des oppositions? C'est le terrain qui est près de la maison médicale. Oui. D'accord. Ça. Mais donc, les consorts Brunet-Pubert ont changé d'avis. Ils ne construisent plus. Ils achètent une maison à un autre endroit de la commune. D'accord. Et est-ce que... Parce qu'il y avait eu un débat, souvenez-vous, avec notamment Marc Jacquet qui avait... qui inscrivait le choix dans le cadre du PLUI de 20 à 22 maisons mètres à l'hectare. Donc ici, ça dépassait quelque part cette règle générale qui est pour densifier l'habitation. Mais j'ai toujours du même avis. Hein. Mais tu avais dit, il faut une diversité de l'offre. Ouais. Tous ne veulent pas être dans un lotissement. C'était ça la phrase linéaire que tu avais dit. Mais comme quoi, je dis pas toujours des bêtises. Ouais. C'est exactement donc, ça. Ça reste dans ce profil-là pour le futur acquéreur d'avoir l'ensemble de cette parcelle. Je pense en fait que ce que tu viens de dire là, la diversité dans l'offre, c'est important sur l'ensemble de la commune. Parce que ça, c'est valable à la fois pour des grandes parcelles, mais c'est valable aussi pour des parcelles où on a du R+1, des appartements. Je rappelle que ici, dans cette commune, les jeunes qui travaillent sur le Vendée au pôle, ils ne peuvent pas se loger. Il n'y a pas de logement non suffisant pour eux. Donc ils vont dans d'autres endroits. C'est-à-dire que lorsque je parle de diversité, c'est à la fois au niveau de l'habitat, mais au niveau de la taille des parcelles. Même à terme, on va certainement travailler sur un nouveau lotissement, il faut varier les tailles des parcelles. C'est-à-dire que si vous avez des parcelles où c'est réfléchi en amont, où vous avez donc un ou deux étages avec des appartements, mais que c'est inséré correctement avec l'environnement proche, déjà, les gens, quand ils achètent, ils savent qu'il va y avoir ça. Et puis deuxièmement, après, ça permet d'augmenter le nombre de logements à l'hectare. C'est-à-dire que ça vous permet à la fois d'avoir des parcelles de 400, 450 ou 500 mètres carrés, donc des tailles assez petites, mais ça vous permet aussi d'avoir des parcelles plus grandes, de 600, 700 mètres carrés. Parce que chacun a des approches différentes, quoi. Et il faut qu'on soit en capacité de répondre à la diversité de la demande. Donc ce que j'avais dit à l'époque, je le maintiens. C'est-à-dire que... C'est dommage que M. Jacquet ne soit plus là, parce que ça aurait été intéressant. Puis je pense qu'il y aurait eu des débats. Lui, il était uniquement dans la densification. Et moi, je suis dans la densification et dans la diversité. Et ce qui n'est pas tout à fait la même approche. Bien sûr que je suis d'accord avec lui, on ne peut plus construire comme il y a 20 ans. Mais ceci étant, il y a des gens qui viennent à Saint-Hermine, ce n'est pas pour vivre sur une parcelle de 400 mètres carrés. Quoi.
Et en plus, là je le dis de manière générale, mais ça me fait toujours rire des personnes qui me disent « oui non mais faut densifier l'habitat », alors que lorsque je vois leur maison, ils sont sur des parcelles qui font 1000 mètres carrés minimum, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à un moment, il faut aussi de la cohérence, quoi. Voilà, c'est tout. Je le dis comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques et d'autres questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Ensuite, autorisation d'implantation d'un local technique déploiement de la fibre optique. Non, est-ce que vous avez eu les... Oui, voilà, vous avez les photos. Donc, en gros, c'est une sorte de transfo qui se trouve juste à côté du gros transfo existant. Pour faire simple. Bah, je fais simple. Donc, dans le cadre du déploiement du réseau fibre optique sur la commune, la société Azalé, représentée par le groupe Altitude Infrastructure, demande l'autorisation d'occuper un espace du domaine privé de la commune à côté de l'autocommutateur de France Télécom sur le parking de l'école élémentaire Le Prévert pour l'implantation d'un local technique. La convention d'occupation prévoit une mise à disposition gratuite de cet espace pendant la durée d'utilisation des équipements. Il est précisé qu'il s'agit d'un ouvrage d'intérêt public qui participe à l'attractivité de la commune, qui s'inscrit dans le programme de désenclavement numérique de la Vendée, piloté par Vendée Numérique. Donc il faut qu'on se positionne dessus. Est-ce qu'il y a des questions au préalable ? Oui, vas-y, Patricia. Ouais. En fait, quand j'ai vu les photos et puis le petit bâtiment que ça représente, enfin, je ne me rends pas compte, est-ce qu'on a les mesures du bâtiment ? Parce qu'en fait, il va être placé à un endroit un peu... On avait déjà sécurisé cet angle de bâtiment avec deux barrières qui font à peu près 3 mètres de long. Parce que les enfants, quand ils passent par là, ils ne voyaient pas les voitures qui venaient sur l'île Pontue, en fait. Donc là, on avait mis une barrière de 3 mètres, donc ça laisse une visibilité pour les enfants et les voitures. Et là, en fait, ce bâtiment, il va prendre cette place-là. Et donc, ça va encore... Tu veux répondre, Bernard ? Obstruire la visibilité pour les enfants. Je pense que tu te trompes, c'est sur l'autre pignon. Hein. Non, c'est le vrai. Non, c'est ça. C'est sur le pignon d'entrée ? Oui. Non, c'est pas sur le pignon d'entrée. En face, la passerelle de la poste, en fait. Là où on rentre sur l'île Pontuit, la façade du bâtiment. En fait, donc ça réduit la visibilité des enfants. Et si on rallonge la barrière, admettons, ça empiète sur le passage des voitures. Déjà qu'elles ne passent pas deux par deux, il faut attendre. Donc, moi, ça, je... Voilà, je ne sais pas comment ça va être envisagé de sécuriser ce coin-là. Il y a plein d'enfants qui passent ici. Si on obstrue la visibilité, ça reste dangereux comme avant, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai pensé, déplacer les barrières, mais du coup, on empiète sur le passage des voitures. Oui. Tu vois, les voitures ne passeront pas si on déplace les barrières. Donc là, il y a... Alors, la solution, c'est ce bâtiment, il faut le rapprocher du trottoir avant, pour laisser justement la visibilité des enfants qui passent derrière pour aller rejoindre la passerelle en bois. Ça n'empêchera pas qu'on ne verra pas. Si. Bah, si, parce que ça ne fait pas la longueur du pignon. Ce bâtiment ne fera pas la longueur du pignon. Donc on a la longueur et la largeur du bâtiment ou pas ? Non, il ne fait pas la longueur du bâtiment. Pas la longueur, mais la largeur. La largeur, oui, mais quand les voitures arriveront, les barrières restent barrières. Et puis là, du coup, il y a tout cet espace vide là où on voit. Mais on ne verra pas. C'est obligé, ça. On ne verra pas, non. Si. La barrière, elle est ajourée pour que les enfants puissent voir entre les barrières. Oui, mais le bâtiment n'ira pas jusqu'à la barrière telle qu'il est. Non, mais même si elle ne va pas jusqu'à la barrière, oui. Ça n'empêchera pas que l'œil, si c'est à 2 mètres, on ne voit pas non plus. Ce n'est pas 2 mètres, hein, ça va être plus que ça, ça va être pas loin de 5 mètres. Ce que je propose, c'est que... De toute façon, on ne peut pas bloquer le... Enfin, je vous le dis comme je le pense, là. On ne peut pas bloquer ce projet dans le sens où derrière, c'est toute la fibre optique, le déploiement de la fibre optique sur la commune. Donc ça va poser un peu de problème. Par contre, on peut essayer de voir si on ne peut pas le déplacer, quand même, pour qu'il y ait plus de visibilité et travailler sur la sécurisation, en l'occurrence. Alors, je vais te donner... Vas-y. En fait, il y a une place de parking. On voit le bout d'une voiture, là. Oula. Je ne sais pas, sur la photo. Là, la première photo. Il y a le petit coin noir en bas à gauche, là.
À droite, pardon. Mmh. L'autre côté. Mmh. Non, l'autre côté, voilà. Ici. Là, il y a une place de parking. Éventuellement, si le bâtiment était plutôt situé là, ça serait moins compliqué. Alors, bon, je ne sais pas si c'est possible, mais voilà. Je ne sais rien du tout. Ce qu'on va faire, c'est que j'en prends acte. Il faut que ce local technique puisse se faire parce qu'on est en plein déploiement. Et puis, je vous fais un retour le prochain conseil sur ça. Merci. Dans le montage là, visuel, ce module ne touche pas la construction à côté. Est-ce que donc il y aura un couloir? Parce que peut-être que s'il touchait ce bâtiment, il empiéterait moins la visibilité sur justement le passage des enfants. Mais après, il faut effectivement un accord, parce que ça, c'est Orange qui a ce bâtiment là à côté. Tout à fait. Donc il faut peut-être aussi qu'avec Orange, peut-être de travailler intelligemment pour faire que les deux bâtiments soient l'un et l'autre attenants, de façon à faire moins d'emprise au sol, un petit peu dans la démarche de la communauté de communes vis-à-vis de Saint-Hermine par rapport à ce terrain, à cette voie. Voilà, c'est peut-être une idée. Ou alors, avec les dimensions, si on les avait, peut-être de faire une simulation au sol pour avoir un meilleur aperçu de l'emprise au terrain. Voilà. Merci. Donc, on a tout noté attentivement. Eric, avec Bernard, iront voir sur place et on vous fait un retour au prochain conseil. Bernard, Eric. La seule difficulté que je perçois sur ce lieu, c'est qu'on a un point de rassemblement. Je ne suis pas sûr qu'après, le point de rassemblement soit assez grand pour recevoir tout le monde. Donc là, peut-être qu'il faudra l'aménager, peut-être qu'il faudra le déplacer, le voir autrement. Il est où le point de rassemblement? Il est obligatoire. Il est où? Le petit panneau vert que l'on voit sur le mur, là. Ah oui, c'est ça. C'est un point de rassemblement. En tout cas, parce qu'on ne va pas solutionner a priori le problème ce soir. On sait qu'il faut le local. Voilà. Après, on peut se mettre d'accord au moins sur le principe du local. Et Eric et avec Bernard vont sur place et nous trouvent la bonne solution. Ça vous va? Oui, on va prendre rendez-vous avec Orange. Bernard, Eric, ça va? Comme ça? Ouais. Bon, donc on fait comme ça. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Vente de terrain, lotissement Les Coteaux du Magny 2. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est la demande de Madame Nadia Pro concernant la réservation du lot numéro 27 d'une surface totale de 433 mètres carrés. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Vous savez, hein, c'est tous les lots qui sont vendus, est-ce qu'on se positionne à chaque fois? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Point 12. L'eau 27, tu es dans la première tranche ou la deuxième là, par rapport au numéro? Je ne sais plus. La première tranche. Je ne sais plus. La deuxième n'est pas encore commercialisée. On a juste ouvert le budget en fait pour la deuxième, c'est vrai. Oui, mais ça permet de le rappeler. Alors, je rappelle que les éléments qui avaient été évoqués, donc devant le conseil municipal pour la constitution, on avait débattu un peu sur la stratégie médicale. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et sur le secteur. Et parmi les mesures qui avaient été envisagées, il avait été évoqué l'acquisition d'une propriété mise à disposition d'un médecin qui souhaiterait s'installer en libéral sur la commune pour qu'il puisse loger, parce que parfois c'est un problème. Ils ont du mal à trouver, ou parfois c'est une partie de la semaine. Enfin, ça peut. Enfin voilà, la question se posait. Dans le même temps, là, il y a la communauté de communes qui avait, donc Sud-Vendée Littoral, qui nous avait dit qu'il y avait un logement de fonction, donc de l'EHPAD de l'Asmagne, le long de la rue de Flandre-Dunkerque qui a été en vente. Donc la commune, on en avait débattu, avait fait connaître son souhait donc auprès de Sud-Vendée Littoral. Cette propriété, il s'agit d'un pavillon individuel de 96 mètres carrés et des garages attenants, implantés sur les parcelles cadastrées ZR numéro 335 et 336, d'une superficie totale de 936 mètres carrés. Les garages, ils donnent en fait, la porte donne face au terrain de foot, ouais, de l'anglais.
L'avis des domaines donc, du 26 janvier 2021 donc, estime le bien à 75 000 euros. Et la communauté de communes, par délibération du 21 octobre 2021, a acté la cession au prix de 85 980 euros, considérant les coûts d'extension de réseau, électricité, téléphone et pose d'un coffret, et les frais de bornage et de division parcellaire. Ça reste quand même une maison qui coûte pas cher, en fait, même s'il y a des travaux à faire. Hein. Ça avait été vu par, par Bernard, de mémoire, c'est 40 000, c'est ça? Oui, 40 000. Mais on arrive avec une maison, si admettons on n'a pas de médecin, peut-être que les médecins n'y trouveront pas leur... ce ne sera pas utile pour eux, c'est une maison qu'on pourra louer autrement. Donc ce n'est pas de l'argent qui est gaspillé ou balancé en l'air. Je tiens à rappeler aussi, là, ça fait la deuxième fois que je le fais, mais c'est vraiment important, parce que ça, parfois, les citoyens ont du mal à le comprendre. Mais je remercie la communauté de communes, hein, et ça montre l'importance du travail partenarial. Je le redis encore. C'est-à-dire que la commune, elle peut avoir une stratégie, elle peut avoir un plan pluriannuel d'investissement, elle peut avoir une bonne gestion du budget, mais c'est comme dans la vie, on a besoin des autres, quoi. Et on a besoin de pouvoir travailler avec la communauté de communes, le département et la région. Parce que c'est justement en ayant cette vue d'ensemble que ça permet aux projets de voir le jour et de les enchaîner sur un temps relativement court. C'est pour ça que ça, aussi qu'on peut avoir un programme ambitieux sur la durée du mandat. Voilà. Donc là, il s'agit d'acter l'achat en fait, de ce logement, tout simplement parce que ça va passer chez le notaire dans pas longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, il n'y avait pas vraiment de questions, puisqu'en fait, quand on s'est rencontrés, on a, pour préparer le conseil, on a dit, si dans le meilleur des cas, s'il y a des médecins et qu'il n'y a pas de souci de logement pour eux, parce que voilà, et le nombre, la problématique du manque de médecins est enfin résolue, eh bien, cet achat pourrait être mis à disposition, forcément, pour du locatif, et puis c'est très intelligent de démarrer, de faire ça. Donc là-dessus, on n'aura pas de souci. Bon, bah, très bien. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, c'est une drôle de transition, n'empêche. Affaire réglementaire, jury criminel 2023. Sans transition, ouais. C'est un peu ça. Hein. Donc on va jouer au loto, là. Donc conformément aux articles 254 et 267 du Code de procédure pénale, et conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral numéro 228/2021/DRLP1 du 16 avril 2021, je dois, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle du jury criminel de la Cour d'assises du département de la Vendée pour l'année 2023, procéder publiquement au tirage au sort de 6 noms à partir de la liste électorale qui se trouve à ma droite. Je rappelle au Conseil le procédé choisi, à savoir un premier tirage pour le numéro de la page de la liste générale des électeurs, un second tirage pour la ligne et par conséquent le nom du juré. Il sera désigné un conseiller pour le tirage au sort de la page de la liste générale des électeurs et un conseiller pour le tirage au sort du numéro de ligne. Ce que je vous propose, c'est de prendre les deux plus jeunes présents dans cette salle. Donc ils sont en train de sourire, donc ils se sont reconnus. Donc Loïc et Claudie, est-ce qu'il y a des oppositions à ça? Non. Bon. Par contre, il faut prendre les... Ah oui, si, vous allez revenir. Bon. Madame Laurence Porcher. Enfin, il faut dire tout le nom, Laurence Béatrice Jeanne Porcher. D'accord. Page 194. C'est pour m'entraîner pour les pour être pour les élections en fait. Vas-y. Monsieur Daniel Pascro. Page
Au début, j'ai cru que c'était Stan, c'est pour ça. Mais non. Donc, page 91, j'ai... ligne 1. Page 91, ligne 1, monsieur Patrice Dupont. Je vous assure qu'il n'y a rien de truqué. Hein. Monsieur Maxime Hérault. C'est bon. Madame Brigitte Laurent Roy. C'est bon. Monsieur Patrice Macquart. Donc, OK. Ouais, c'est 6, ouais. Moi, je ne suis pas compté, en fait. Voilà. Et donc, le dernier point, informations diverses, compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations accordées au maire. Jean-Michel, j'y ferai les DIA après, hein, c'est bien ça ? Parfait. Alors, arrêté du 2 mars 2022 concernant l'informatisation de la bibliothèque municipale, c'est la société GM Invente qui a obtenu le marché pour un montant de 7 782,50 € hors taxe. Arrêté du 2 mars 2022 concernant la vérification des installations électriques, gaz, des bâtiments communaux et vérification des matériels roulants, c'est la société Caliconsult Exploitation qui a obtenu le marché pour un montant de 1 415 € hors taxe par an. Arrêté du 3 mars 2022 concernant la réalisation des films des réunions de conseil municipal, c'est la société Martine qui a obtenu le marché pour un montant de 7 990 € hors taxe. Arrêté du 22 mars 2022 concernant l'entretien des terrains de foot Rousseau et l'anglais, c'est la société Vertis qui obtient le marché pour un montant de 6 756 € TTC. Pour l'année 2022. Arrêté du 22 mars 2022, relatif à la location des illuminations de Noël, c'est la société Blacher Illumination, pour un montant de 17 505,95 € hors taxe, qui a obtenu le marché. Arrêté du 28 mars 2022, concernant la location et la maintenance des photocopieurs, c'est la société Rex Rotary, qui a obtenu le marché pour un montant de 2 175 € hors taxe par trimestre. Et arrêté du 28 mars 2022, relatif à l'entretien de la salle Omnisport de l'anglais, c'est la société Sauvenet qui a obtenu le marché pour un montant de 7 236 € hors taxe annuel. Francis, tu veux parler de la location ? Est-ce que c'est... Non ? Tu ne veux pas parler de la location des décos de Noël en fin d'année ? Ah, si tu veux, je veux bien en parler. Mais si, parce que ça a quand même été un changement. Oui, oui, d'accord. Saint-Hermite doit être encore plus illuminé. D'accord, effectivement. Donc, on a passé un contrat avec une société d'illumination, enfin, qui fait de la location d'illumination. Donc, on a décidé quand même de faire un gros coup à partir de décembre prochain pour essayer de rebooster un petit peu, parce que c'était un petit peu plat ce qu'on avait fait, mais on avait fait avec les moyens qu'on avait. Donc là, on va illuminer toute la rue Clémenceau un peu plus. La route de Nantes jusqu'au casino va être illuminée. La route de La Rochelle également un petit peu, mais pas très loin, parce qu'on n'a pas de prise, on n'a pas de lampadaires qui peuvent supporter les décorations. Et puis enfin, la dernière, celle de Bourneseau, au début de la route de Bourneseau également. Et puis on va également décorer la route au Simon Lavineuse, la route de Mareuil. Alors on va la traversée du Simon. Et la Vineuse un petit peu. Et puis il y a la Vineuse, j'y tiens. Et la Vineuse un petit peu. Et en plus, donc les illuminations classiques autour des Halles et puis à la place de la mairie. Et à Clémenceau. Donc normalement, ça va changer. Enfin, on va donner un gros coup de pouce cette fois-ci. Quoi. Et c'est des contrats de 3 ans.
Donc on aura les mêmes décorations pendant 3 ans et ça nous permettra dans 3 ans d'en avoir des toutes neuves, des toutes nouvelles, d'autres modèles. Voilà. Et en termes d'économie d'énergie, du coup, il y a des choses qui se font par rapport aux décos. Là. En termes d'économie d'énergie. Parce que plus on en met, plus ça consomme, on est d'accord. Oui, oui, mais c'est quand même très ponctuel. Hein. C'est quand même très ponctuel. C'est quoi les dates? C'est combien de temps? 1er décembre au 10 janvier. 1er décembre, 10 janvier, mois et demi. Je pense que c'est du LED, oui. C'est du LED, oui. Je vais le dire, c'est assez drôle que ce que j'y pensais là, en même temps que Francis en parlait. Je me suis retrouvé sur la place Napoléon, là. Je ne sais pas si vous y êtes allé là, au moment de Noël. C'était extrêmement éclairé. Et justement, il y a des personnes qui ont réagi comme toi en disant, mais au niveau économie d'énergie, c'est pas bien. Et il y avait des jeunes là, et qui étaient là. Et du coup, j'ai discuté un peu avec eux. Et c'était assez intéressant, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être attentif au développement durable, aux économies d'énergie. Mais on a le droit aussi d'avoir des moments festifs et de juste vouloir que la commune soit jolie. Ça reste ponctuel. Est-ce que en termes de consommation d'énergie, c'est bien? Non. C'est-à-dire que il va y avoir une augmentation de la consommation d'énergie. Est-ce que c'est important dans une société de créer du lien social et d'avoir cet esprit festif en fin d'année? Je pense que oui. Je ne remets pas ça en question. C'est juste un mois et demi pour la période de Noël. Moi, ça me paraît énorme. 1er décembre, on n'en est pas encore. Enfin, on est déjà avec tout ce qui... Enfin, le commerce, déjà, il nous alimente. On sait qu'on est à Noël, quoi. 1er décembre, ça me paraît hyper tôt. On pourrait aussi mettre plus de guirlandes électriques et pas consommer plus en diminuant le temps d'illumination, en fait. Pour répondre à ça, cette année, on a commencé vers le 6-7 et les gens se sont plaints parce que dans les communes environnantes, tout le monde était allumé. C'est pour ça. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, les gens vont se plaindre. Ça, c'est pas un argument. Enfin, voilà. Oui, on peut certes aussi demander aux gens pour lesquels les gens mais comme moi, ils vont pas venir dire c'est super en fait. Oui, mais tu représentes. Mais ça, on s'en doutait, Patricia. Mais les guirlandes, juste les guirlandes, ça consomme encore plus d'énergie. Les guirlandes dont tu parles. Ça consomme encore plus d'énergie. Ah non, mais je ne parle pas des guirlandes. En fait, moi, je me dis que si on doit faire des économies, ou pas d'économies d'énergie, mais au moins qu'on puisse ne pas les utiliser, tu vois, en faire plus, en fait. On pourrait en avoir davantage avec des LED et ça consomme moins, mais sans en mettre dès le début du mois. En avoir davantage, déjà, là, on en a pour 7 000 euros. Hein. Dans tout ce qu'on veut faire. Mais c'est oui. Très très cher. Mais non, mais je ne veux pas qu'on en mette plus. C'est vous qui dites que vous en mettez plus, parce que ça sera une location et tout oui. Ça, sur un temps plus long. Oui, on veut que Saint-Hermine soit plus éclairé. On veut que Saint-Hermine, qui soit un carrefour, soit vraiment festif. Mais parce que Saint-Hermine, je suis désolé, quoi. Enfin, c'est très bien ce qui a pu être fait. Mais quand tu vois que dans des toutes petites communes, des communes environnantes, ils ont plus de décorations de Noël. C'est quand même dommage, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un moment qui est important. C'est-à-dire que l'environnement, certes, c'est très bien. Je préfère, si on travaille sur les économies d'énergie, qu'on travaille sur l'éclairage public. Donc là, c'est ce qu'est en train de faire Bernard. Parce que là, c'est des vraies économies d'énergie et c'est du vrai développement durable. Parce qu'il y a à la fois la consommation d'énergie, il y a à la fois la question financière avec moins de dépenses. Là, oui. Mais un moment, stop. Je sais que... Après, je pense que c'est très bien en même temps qu'on ait ces débats-là, parce que ça montre aussi qu'on a des visions parfois différentes. C'est-à-dire qu'il y a, je comprends, j'entends qu'il y a cette vision de limiter au maximum, dès qu'on peut, les consommations d'énergie. Et on pense qu'à certains moments, l'esprit festif de fin d'année, au-delà de Noël, tout ça, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, il faut pas que l'environnement, ça se transforme en dogme à un moment. Et je pense que quand on va jusqu'au boutiste, ça peut se transformer en dogme, comme n'importe quelle religion. Mais c'est des questions de point de vue. Et après, là, il y a une majorité. Et au final, c'est vrai que c'est... J'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord, en fait. Voilà. Déjà, qu'on a les décorations actuelles qu'on a, elles ont été réparées et réparées plusieurs fois. Elles sont complètement usagées, quoi. Et on les met quand même, on les répare, mais tu sais, à les réparer, ça nous coûte aussi cher que... Non, mais j'ai rien contre la location. Hein. En plus, si c'est des LED, c'est d'autant mieux. Pour moi, c'est pas un souci seulement
On parle d'économie d'énergie et d'économie de budget à la limite. Mais si ça ne coûtait pas plus cher, ou même un peu plus cher parce que c'est des LED, ok. Mais si ça ne coûtait pas plus cher en électricité par rapport au temps qu'on va y consacrer, en fait, pourquoi ça devrait coûter plus cher pour que ça soit mieux que le village d'à côté, parce que c'est comme une concurrence, on s'en fout, en fait. Bien sûr que non. Non, mais c'est le plaisir, voilà, on est d'accord. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal que dans certains quartiers, je vais faire un jeu de mots là, mais enfin, dans certains quartiers, la nuit de Noël porte clairement son nom, c'est vraiment la nuit, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune lumière, c'est aucun esprit festif. Et en plus, on le sait, mais, enfin, aujourd'hui, ce qui se fait en décoration de Noël, rien ne dit que ça va coûter. C'est désagréable, le son, là. Vous voyez, ça résonne, là. Rien ne dit que ça va coûter plus cher en termes de consommation. On n'en sait rien, en fait. En plus, aujourd'hui, les décorations de Noël, elles sont quand même... les nouvelles, elles sont quand même moins consommatrices d'énergie que celles qui ont pu avoir lieu. Ça se trouve, on va consommer moins d'énergie que celles qu'on avait, là, nos vieilles guirlandes et nos vieilles décorations de Noël. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas le savoir avant, en fait. C'est dommage. Mais ça, c'est, tu vois, c'est exactement ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est question de point de vue. C'est-à-dire que là, l'objectif premier, c'est d'avoir une commune qui soit illuminée. Ce n'est pas une histoire de concurrence avec n'importe qui, c'est juste qu'à un moment... C'est pas normal qu'à Saint-Hermine, il y ait des endroits où il n'y ait aucune illumination, enfin, où il y ait très très peu d'illumination. C'est tout. C'est juste ça. Et c'est important aussi que les gens y soient dans cet esprit festif. Jusque-là, c'était... Parce que dans ces cas-là, on supprime aussi les sapins, on supprime tout, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ça m'effraie, et c'est là où je me dis que l'environnement, ça devient du dogme. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que c'était mis? Moi, j'ai aucune notion. Avant, enfin, cette année, là, en 2021. D'accord, donc c'est une semaine plus tôt, là. Mais du coup, c'était quand même bien de présenter. Et au moins, on a eu un débat, là. C'est très bien, ça montre aussi des visions différentes. Est-ce qu'il y a d'autres marques? J'ai juste demandé s'il y avait d'autres marques. Non, non, pas encore. Je passe au DIA et après, je vous laisse la parole. Donc, la DIA donc 2022-22, donc, qui concerne la parcelle section AB numéro 454, donc anciennement AB numéro 165, rue du Puy-de-l'Ormeau aux Zougnettes. Ensuite, la DIA 2022-23, parcelle section AP numéro 121, 12 chemin des Églises au Simon. DIA 2022-24, donc parcelle section XR numéro 353, donc au lotissement Le Champ du Guignier, 5 rue des Cerises, donc au Simon Lavineuse, enfin Simon exactement. DIA 2022-25, donc la parcelle section AO numéro 313, 120 rue Maurice Gandemer, donc au Simon. La DIA 2022-26, donc la parcelle section AB numéro 88, 36 chemin des Planches, aux Zougnettes. DIA 2022-27, donc la parcelle section AP numéro 169 et la parcelle section XR numéro 344, au lotissement Le Champ du Guignier, 2 rue des Griottes. Simon, comme vous voyez, c'est le lotissement des Cerises. DIA 2022-28, parcelle section AD numéro 375, donc 21 rue de l'Église. Et la DIA 2022-29, concernant la parcelle section AD numéro 110, de Grande Rue de la Douve. Voilà. Questions diverses. Henri ou Patricia. Merci. J'avais une question par rapport à la piscine tout à l'heure. Je n'ai pas pensé à... Est-ce qu'il a été envisagé de replanter un peu d'arbres dans ce coin-là, oui, qui est un peu désert? Ok. C'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Non, mais je ne te voyais pas réagir. Alors je me suis dit, je me suis trompé là. Donc oui. Et vers, enfin, c'est plutôt vers la salle polyvalente ou de côté? Le polyvalent. Sur l'espace libéré par l'ancienne piscine. D'accord. Sur la palissade. Ouais. Et il y en a. Pardon. Puisqu'en fait, la palissade va ceinturer la piscine au plus près. Donc il va libérer tout un espace entre la salle polyvalente et la piscine qui là sera arboré en temps voulu.
On sait quel genre d'arbre et combien ? Non. Pas encore. Ce n'est pas ma compétence. Okay. Peut-être que d'autres ont la réponse, mais je n'ai pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Henri ? Oui, ma question portait sur les finances de la commune, parce que maintenant, on doit avoir une idée plutôt précise des recettes et des dépenses de l'année 2021, n'est-ce pas ? Mais je ne vais pas poser où on en est, mais simplement qu'il y a des éléments nouveaux quand même qui ont changé depuis le début de l'année 2022, notamment l'augmentation du taux du livret A, et on sait que des emprunts sont adossés à ce taux plus 1%, c'est l'arrêt. Et puis qu'il y a aussi l'augmentation des coûts de l'énergie, électricité, fuel, enfin, toutes ces choses-là qui vont forcément impacter le budget 2022. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça va avoir sur les finances publiques ? Voilà. Tu voulais répondre ? Non ? Parce que je peux. Par rapport à l'impact, je veux dire, tout le monde sait que les énergies vont augmenter. Tout à l'heure, quand j'ai fait ma réponse à Patricia, j'ai dit justement que je préfère qu'on fasse des économies sur, par exemple, l'éclairage public. Lorsqu'on va faire les nouvelles constructions l'année prochaine, on va travailler tout de suite sur des énergies durables, c'est-à-dire qui ne coûtent pas ou coûtent moins finalement à la commune. Concernant le compte administratif, on est dans ce qu'on avait prévu, on l'adoptera au mois de juin, mais il n'y a pas de surprise particulière. Donc là, on est dans ce qui était prévu, voire les chiffres parleront. Je veux dire, ça ne remet pas en cause le budget de cette année. Concernant les projets pour d'ici la fin du mandat, c'est pareil, ça ne remet pas en cause, parce que on a l'avantage, c'est qu'on est extrêmement désendetté. On a fait tous les deux avec Jean-Michel un point de comparaison avec des communes environnantes. Saint-Hermine, c'est une des communes qui est la moins endettée aujourd'hui, là, au moment où je vous parle. On est à deux et quelques années, c'est ça, hein, au niveau de taux de désendettement, en sachant que la seule qu'il ne faut pas se dépasser, c'est 7, je crois, je ne sais plus. C'est 7 années. Donc on est hyper large. Et en plus, l'avantage du plan pluriannuel, comme je disais, c'est d'avoir des chiffrages précis pour les différents projets. En plus, on les a calés pour que ça s'enchaîne correctement d'ici la fin d'année. Alors, est-ce qu'il va y avoir des augmentations ? Ben oui. Est-ce qu'on a capacité d'emprunter pour répondre à notre programme ? Oui. Parce que on a une stratégie qui est claire depuis le début. Je me rappelle une expression qui avait pu être dite, c'est-à-dire une stratégie tirée au cordeau. Oui, c'est vrai, mais ce que tu avais dit. Stratégie tirée au cordeau, certes, mais qui permet aussi de s'adapter à la situation. Le problème, c'est que tu ne peux pas t'adapter à une situation quand tu n'as pas de stratégie claire. On sait exactement où on va. Et donc, on va l'adapter. Et finalement, alors à part s'il y a une crise absolument phénoménale, ça, je ne suis pas devin, je ne le sais pas, mais en tout cas, même s'il y a une augmentation, on est largement en capacité de faire ce qu'on a dit, parce qu'on a ces stratégies qui sont claires. Donc, mais de toute façon, comme je l'ai dit le premier jour où j'ai été élu, notre équipe rendra des comptes à la fin, on fera le bilan de ce qui a été fait par rapport à notre programme. Et pour l'instant, on suit notre feuille de route, et j'ai absolument aucune inquiétude. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Donc, de toute façon, je savais bien que la stratégie de la majorité était déjà définie, programmée. Donc, mais il y a des moments où il y a des aléas. Et là, nous sommes dans cette période-là. Donc, oui. Elle impacte forcément. Donc, c'était pour, en fait, mener le débat sur... Tu sais, ce terrain et avoir des éléments de réponse. Oui, mais t'as raison. Mais tu sais, pour un premier mandat de maire, commencer le mandat avec 2 années de Covid, ça te met tout de suite dans le bain. Hein. Parce que au-delà des protocoles à faire respecter, mine de rien,
Alors ça s'est peut-être pas trop vu, mais on a travaillé là, tous là. On a travaillé pour justement que les projets puissent finalement sortir. Donc là, on a des travaux là cette année, à la rue Flandre de Dunkerque, il y a eu la piscine. L'année prochaine, donc il y a le terrain de foot, il y a la salle de danse. Donc non, ça franchement ça va. Et c'est vrai que les aléas, mais c'est comme dans la vie en fait finalement. Quand on sait où on va, on peut s'adapter en fait aux aléas. À partir du moment où on commence à naviguer sans boussole, c'est là où ça commence à être problématique au niveau des aléas. Et là, on ne maîtrise rien. Et ça ne s'enchaîne pas correctement. C'est clair. Mais là, on adaptera notre emprunt qu'on fera l'année prochaine en fonction. Mais y a pas, franchement, il n'y a aucune inquiétude. Même si les taux d'intérêt augmentent un peu aussi, même s'il y a une augmentation des matériaux, on va voir tout ça. Par exemple, le terrain de foot, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que finalement, moins que par exemple pour la salle de danse, avec l'augmentation du coût des matériaux. Si je prends un point de comparaison pour l'année prochaine, pour se projeter. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on a en tête. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il y a Eric et puis après Francis. Oui, moi je reviens, c'est une question à Jam plutôt. Parce que beaucoup d'Herminois sont concernés, étant donné qu'on a voté au niveau de la rue Flandre-Dunkerque. Je sais qu'il y a un organigramme de prêt. Par contre, est-ce que tu peux nous donner des dates ? Il y a... Début des travaux, oui. Et puis, voilà, comment est-ce que ça s'organise ? Parce que beaucoup d'Herminois se posent la question. Ben déjà, il fallait valider ce soir par cette délibération à qui on attribuait les travaux. Donc ça maintenant c'est acté. Et normalement, si tout se rentre dans. Ça va commencer la première semaine des vacances scolaires, le pluvial. Ça va commencer par ça. Semaine prochaine, oui. Puis après, il va y avoir le déplacement des coffrets aussi, que M. Boisselier s'occupe. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Et puis après, évidemment, si là, avec la Comcom, on peut faire le terrassement de la voie. Au bout du parking de la salle polyvalente, je suppose que ça va s'enclencher aussi assez rapidement. Hein. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est une affaire qui roule. Hein. Oui, non, mais c'est... Jeanne, oui. Tu dis les prochaines vacances scolaires, c'est celles qui démarrent vendredi ? Oui, qui démarrent la semaine prochaine. C'est bien celle de Pâques ? Oui, oui, la semaine prochaine, pour le pluvial le long du collège de l'Anglais. Ouais. Okay. Ouais. Faut en profiter pendant que, justement, que les élèves ne sont pas là, ça sera plus simple pour la sécurité. Francis ? Oui, moi j'avais deux petites choses à dire, deux petites infos. Je voulais déjà compléter l'échange avec Patricia, là, parce que c'était quand même intéressant. Tu sais que je suis sensible à ces idées d'économie et puis de développement durable. Donc les décorations de Noël, quand même, depuis 2 ans qu'on est en place, on a fait des économies déjà beaucoup, notamment par rapport aux sapins de Noël. Les sapins, on les diminue de hauteur. Avant, un sapin qui fait 6 mètres et un sapin qui fait 4,50 mètres, il y a à peu près 150 euros d'écart à l'achat. Donc on en prend des plus petits maintenant, en circuit court, parce qu'on les prend au lycée Pétré à Luçon. On a fait des décorations de Noël aussi avec le comité de développement durable dont tu fais partie. On a fait des petits lutins. Alors par contre, tous ces petits objets qu'on fait comme ça, effectivement, c'est beau dans le jour, mais la nuit, ça ne s'éclaire pas et ça donne pas, ça fait pas beaucoup d'effet. Donc c'était pour te dire que j'étais quand même sensible à ça et vigilant par rapport à ça. Mais en plus, j'en doute pas, je le sais. Mais voilà, j'étais surprise parce que dans la présentation, c'était on va louer plus de guirlandes, oui, pour plus longtemps. Donc moi, ça, oui, me paraît pas cohérent avec justement le comité dont on fait partie. Donc ouais, après, si ça coûte, si ça consomme moins d'énergie, parfait. Si ça coûte moins cher, parfait. On verra. Mais l'allocation de matériel, pour moi, c'est du développement durable parce que justement, c'est du réemploi. Après les 3 ans, le fournisseur les reprend et va les mettre chez quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose qui va à la poubelle comme on ferait si on achetait une décoration. Quoi. C'est du développement durable pur, ça, l'allocation, pour moi. Voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était une information, c'est que le 1er mai, on a le marché des producteurs comme d'habitude. Et en même temps, ce que je voulais annoncer quand même, qu'on fait un troc des plants et des graines sur le parking de l'Orangerie. Et la bibliothèque municipale, enfin les bénévoles de la bibliothèque municipale organisent aussi un troc des livres au même endroit sur la place de l'Orangerie. Voilà, ça c'était pour une chose. Et en parallèle, on aura la visite d'un club de voitures anciennes. Ils seront une trentaine de voitures à peu près, c'est les Bielles Sablaises, le club. Donc ils seront, les voitures seront autour du marché des producteurs et derrière ici. Et ils restent là toute la journée. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose. Mais elles seront éteintes. Elles seront quoi ?
seront pas allumées, donc ça ne produira pas. La taquinerie, mais voilà, je savais qu'elles n'allaient pas tourner. Non, mais il avait été question à un moment qu'elle soit mise à la salle polyvalente, et du coup, on trouvait ça dommage que ça fasse trois pôles un peu trop distants entre l'orangerie, la salle polyvalente et puis la cour de la mairie. On avait parlé de les rapprocher. Du coup, c'est très bien comme ça. Tu as dit les bielles sablaises, ce n'est pas les vieilles sablaises. Ah d'accord, très bien. J'ai dit merci. Les bielles. Ce que je vous propose, c'est de prendre... Hein, non ? Ah, vous avez oublié. Bon, alors, je voulais vous proposer un verre à la fin du conseil, mais les bouteilles ont été oubliées, donc il faut qu'on aille les chercher et on les descend pour prendre un verre de l'amitié à la fin du conseil. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.